Hello la verre magie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va au restaurant Le Cirque qui est juste derrière moi. On va tester tout ça en vidéo. C'est parti, générique! Donc, le restaurant Le Cirque, c'est un restaurant à volonté qui est à 26,40€ pour les adultes et 9,90€ pour les enfants. Vous êtes tous derrière en train de faire une surprise. Je pense que ce restaurant porte très bien le nom, Le Cirque, parce que regardez, on est vraiment dans un cirque, c'est comme si on était vraiment dans un cirque. Première fois pour nous, ça fait rigolo, c'est rigolo en fait de venir ici. Et toutes les entrées, les desserts, les boissons, enfin pas les boissons, toutes les entrées, les desserts, les plats, tout est réparti, vous voyez, en fait. Ça fait un peu comme si on était vraiment au cirque, sans y être, mais on y est. Du coup, sachez que dans le menu enfant, vous avez les boissons comprises, alors que dans le menu adulte, c'est à rajouter en supplément. On n'a vraiment pas beaucoup attendu pour entrer justement dans le restaurant. C'est pratique, c'est rapide. Et si vous avez un pass annuel au parc Astérix, vous aurez une réduction de 10% sur l'addition. Donc les rêveurs, j'ai pris une assiette, tout simplement, d'entrée. J'ai pris du taboulé, je vais le goûter devant vous, hein, pour voir un petit peu ce que ça vaut. Un peu sec. Ça, c'est les petites pâtes. Ça va? Est-ce que ça, on va goûter s'il est vraiment bon? Vous voyez les amis, on a pris une petite assiette, voilà, c'est une petite entrée, il y a du taboulé, il y a des rillettes, vous avez du salami, vous avez de la salade, je crois que ça c'est du fromage il me semble, voilà, vous avez vraiment un peu de tout. Clairement pour les passionnés de toutes les entrées, vous aurez la possibilité de pouvoir prendre l'entrée tranquillement. Vous avez aussi du poisson, on vous a pas montré, vous avez des crevettes, des crustacés, tout ça. Le restaurant est vraiment très thématisé autour de nous. C'est un restaurant qui vraiment, en fait, je vois
c'est la première fois qu'on vient, bien sûr, mais ça fait vraiment comme si on était dans un vrai cirque. Et on a l'impression aussi qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais en fait, il y a beaucoup de place. C'est simplement qu'on est au cœur. On est au cœur du cirque, quand on rentre, c'est comme si on était tout de suite au milieu, comme si on était dans le chapiteau d'un cirque. Et c'est un peu différent, mais regardez quand même les ballons qui sont incroyables, ça fait vraiment penser au cirque. Après, moi je vous dis, honnêtement, c'est la première fois que je fais un restaurant thématisé, quasiment aussi thématisé. Alors du coup, il y a beaucoup de choix, il y a des choses que je mange, des choses que je ne mange pas. Donc j'ai pris un petit peu de la pizza, j'ai pris des penne, j'ai pris patates, bien sûr. Et ça, je ne sais plus ce que c'est, les amis. Voilà. Mais il y a du sanglier, il y a plein de choses. Après, il y a des choses que je ne mange pas du tout, voilà, c'est comme ça. Mais sinon, il y a quand même du choix. Il y a des entrées, il y a des desserts, il y a tout. Je vais goûter la pizza. Ça va. Les penne, ben ça va. Les patates, elles sont bonnes aussi. Ça, je me souviens plus ce que c'est exactement. C'est du bœuf. Hein. Du bœuf, il est super bon. Ça, c'est très bon. J'ai été chercher les desserts, il y a un large choix quand même, il y a des fruits, il y a plein de choses. En tout cas, regardez, je crois que c'est un petit tiramisu que j'ai pris juste ici. Je vais le goûter devant vous. Déjà. Franchement, il est bon. J'aime bien. Il est bon. Ça, je sais pas ce que c'est. Je vais. Ça, je sais pas ce que c'est du tout. Je vais goûter. Je vois. C'est du riz au lait. C'est du riz au lait, les amis. Ça va. Ça, on va goûter aussi. Je sais pas non plus ce que c'est. Hein. C'est un flan. C'est bon. Moi, j'aime bien. J'adore celui-là. Excellent. Ça, ça ressemble au tiramisu, mais alors je sais pas. Non, c'est pas le tiramisu. Là. C'est un gâteau de la crème à l'intérieur. C'est bon. C'est léger. Mais je saurais pas vous dire ce que c'est. En tout cas, vous avez un large choix. Il faut savoir qu'au cirque, tout est illimité, sauf les boissons, bien sûr. Et franchement, c'est super sympa. Mon coup de cœur, c'est ce dessert-là. Et le petit tiramisu qui est juste là, vraiment ils sont excellents. Je vais leur prendre après de ça, c'est trop bon. En tout cas, si vous venez au cirque, il faut le prendre celui-là. Le restaurant en fait est vraiment superbe. Je trouve que la thématisation a été vraiment bien faite.
On a vraiment l'impression d'être dans un cirque. Honnêtement, on passe très vite, on est très vite à table. Le personnel est très accueillant. Il y a toujours quelqu'un pour vous guider en fait à l'intérieur du restaurant. Et ça, c'est vraiment sympa. La qualité de la nourriture, en général, elle est plutôt bonne. Après, il y a des choses qui sont un peu moins bonnes que d'autres, comme dans tout le restaurant, bien sûr. Mais il y a un petit truc que je veux vous dire quand même. Là, vous allez dire, c'est moins cher qu'à Disneyland Paris. Et en fait, c'est ça qui est fou. C'est que là, on paye 10 euros moins cher le menu qu'à Disneyland. Vous avez la diversité du choix, vous avez tous les goûts. Voilà, s'il y a des personnes qui ne mangeront pas tout ce qu'il y a. Mais de toute façon, vous avez une diversité qui est tellement énorme que de toute façon, vous pouvez trouver votre bonheur. Et vous avez même du sanglier. Alors, si vous voulez vous prendre pour Obélix ou Astérix, c'est le moment d'y aller. Voilà les rêveurs, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça peut aider la chaîne tout simplement, et puis à vous abonner si vous avez aimé le contenu.